C'est trop risqué de vous parler de bilan ou de faire le bilan du chef de l'État à sa place. Mais je peux vous parler en termes de réalisation. Vous savez, moi, je suis député national. Je suis membre de l'ECOFIN. Ne fût-ce que parler de budget. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, à peine on avait le budget de 4 milliards, 3 milliards. On a élaboré le budget ambitieux de 11 milliards, mais à cause des difficultés, des obstacles que le chef de l'État a connus avec d'abord le problème de COVID, ça a touché le monde entier. La plupart de nos recettes, 80% de nos recettes viennent les recettes des exportations et des importations. Donc, toutes les frontières étaient bloquées. On n'a pas pu faire face pour réaliser autant de recettes. Alors, nous n'avons pas réussi cette année, la première année. Deuxième année, nous avons connu le problème avec FCC et Cash. Il y a eu blocage. Vous avez suivi les chefs de l'État qui prenaient les ordonnances qui n'étaient pas édictées par les ministres sectoriels. Vous avez vu les chefs de l'État convoquer des réunions, convoquer des congrès. Que certains députés de l'FCC boycottaient, bref, il y avait blocage. Le chef de l'État n'a pas pu diriger correctement. Mais lorsqu'il a requalifié la majorité, et vous avez vu, nous avons fait le budget de 11 milliards de dollars. Mais je vous dis, au mois de septembre, nous avons déjà atteint toutes les prévisions en termes des recettes. Nous avons déjà atteint 11 milliards et il nous reste encore 3 mois pour l'amélioration des conditions de la population. Mais ce qu'on est en train de vous dire, 21 000 dollars, c'est la pire intoxication. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Donc, dites-nous le la salaire vérité. des députés est connu. Dites-nous la... Non, non, dites-nous la vérité. À la fin Dans du 7 000 mois... dollars, dans 7 000 dollars, nous payons, dans 7 000 dollars, nous payons les cotisations des partis, nous payons les impôts. Nous Nous parlons des payons les crédits dans invisibles. des banques. Nous payons. Maître, nous parlons Ah. des invisibles. Des invisibles. Non, mais c'est ça, c'est que je vous dis que les invisibles dont on parle, ce sont des primes et ce n'est Excessive. pas permanente. Ce sont des primes. Plus vous avez C'est une presté, somme vous avez excessive. des heures supplémentaires, plus vous avez le véhicule, il y a les indemnités kilométriques. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est payé par les frais de fonctionnement et les frais de fonctionnement ne sont pas payés régulièrement. C'est peut-être après 2 mois, 3 mois qu'on paye les frais de fonctionnement, qu'on peut nous donner les primes acquises. Ni allié ni opposant, Moïse Katumbi a du mal à choisir son camp. L'an dernier, plus précisément au mois de décembre, Moïse Katumbi à Kisangani a lancé officiellement son parti politique. Il n'a pas quitté la majorité, c'est-à-dire l'Union sacrée de la nation, l'idée de M. Félix Tshisekedi. Alors, M. Katumbi avait lancé son parti politique et a laissé entendre qu'il est toujours de la majorité, mais il s'installe chaque jour qui passe dans la peau de l'adversaire de Félix-Antoine Tshisekedi. Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Katumbi, ne bronche jamais. Dans ses déclarations politiques, il ne rate aucune occasion pour lancer les cartouches directes sur le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a fallu que la déclaration en début de ce mois pour qu'un groupe de députés au niveau national comme provincial, surtout du Haut-Katanga, la passion mère de Moïse Katumbi, puisse se révolter. Donc, c'est un des éléments que nous allons découvrir ensemble avec notre invité. Ensuite, nous allons parler de la situation électorale, socio-économique et surtout de la sécurité partout en République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Simon Moulamba Poutou. Bonjour, c'est Monsieur Simon Moulamba pour nos amis qui sont aux États-Unis et au Canada. Bonsoir pour ceux qui sont au Congo. Je dis que vous êtes député national.
Vous êtes maître, c'est-à-dire après vos études en droit de l'Université de Kinshasa et votre brevet du Collège des hautes études de stratégie et défense en abrégé, CHESD, vous avez débuté votre carrière au ministère de Finances, c'est-à-dire à la DGDRAD. Vous avez quitté l'administration publique avec le grade de chef de division pour embrasser la profession de l'avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, depuis 2000 jusqu'à ce jour que vous continuez à exercer la même profession. Avocat d'affaires que vous êtes, vous prestez comme avocat conseil de la Banque centrale du Congo, Rabobank, INSS, OCC, CEEC, etc. Vous avez été successivement membre de plusieurs cabinets ministériels, c'est-à-dire secrétaire particulier du ministère de la fonction publique, directeur des cabinets au ministère du Travail et Prévention sociale, directeur des cabinets adjoints au ministère du Portefeuille, conseiller au ministère de l'Économie nationale, commerce extérieur, fonction publique, petite et moyenne entreprise, travail et prévoyance sociale, exactement. Conseiller principal de gouverneur du Kasaï occidental, directeur de cabinet du ministère provincial de l'agriculture dans la province du Kasaï occidental, membre au conseil d'administration de la GECAMINE, ONATRA, CMDC, ligne maritime. Mais actuellement, là, vous êtes un élu. C'est-à-dire un député national de la troisième législature à Tchikapa dans le Kassai, dans la province du Kassai, et membre de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Vous êtes désigné comme membre de la délégation en raison de la connaissance que vous avez du dossier dans cette mission. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que vous êtes sur Makolo Digital Télévision. Connue comme la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, nous allons parler de la politique dans un premier temps. Nous commençons avec la première question, honorable Simon. Désamour entre l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble pour la République et l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Des déclarations venant du député de la plateforme de Katumbi suite à la demande du respect du calendrier électoral, élection dans le délai par le porte-parole de Moïse Katumbi, appelé Olivier Kamitatu. La question est de savoir, on a suivi vos déclarations, Monsieur Simon Moulamba, vous êtes acharné contre la déclaration de Monsieur Olivier Kamitatu. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il n'y a pas eu l'acharnement. Nous avons tenu à préciser l'opinion. La différence entre l'ensemble pour le changement et l'ensemble pour la République. Comme nous l'avons dit, nous avions sur l'initiative du président Moïse Katumbi créé la grande plateforme Ensemble pour le changement. Dans cette méga plateforme, on a retrouvé beaucoup de partis politiques. Bref, il y a eu à peu près quatre ou cinq regroupements politiques. Je peux citer, nous avons G7, nous avons MS, nous avons AR, nous avons AMK. Donc, ce sont ces quatre regroupements politiques qui sont allés aux élections. Nous avons gagné les élections à plus de 100 députés. Après l'invalidation de certains députés, nous sommes restés, je crois, à 69 députés, avec possibilité d'avoir des groupes parlementaires. Le premier groupe parlementaire, MS G7, et le deuxième groupe parlementaire, AMK alliés, c'est-à-dire AMK et AR. Voilà les deux groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Lorsque nous avons évolué, le président Moïse Katumbi, c'est ça le péché pour lui, il a préféré créer le parti politique qu'on appelle Ensemble pour la République.
où tous les partis qui composent l'ensemble pour les changements n'ont pas adhéré. C'est ça le premier couac. Bien avant cela, il y a eu des consultations par les chefs de l'État. Vous savez que l'ensemble n'a pas voulu accompagner au premier moment les chefs de l'État pour obtenir la majorité, ce qui a fait qu'il était obligé de composer avec FCC. Après les difficultés que le chef de l'État a connues dans la coalition CACH-FCC, alors il y a eu consultation où ensemble accepté de rejoindre le camp de la majorité pour appuyer le chef de l'État, ce qui a été fait. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle partage des responsabilités au niveau de l'Assemblée nationale d'abord. L'ensemble est représenté par la questeur. Donc, la questeur, c'est le caissier qui gère tous les fonds de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un député de l'ensemble. Ensuite, nous avons eu de grandes commissions, comme commission ECOFIN, et contrôle budgétaire et de la bonne gouvernance. Cette commission est gérée par un député de l'ensemble pour les changements. Nous avons encore de grandes commissions. Donc, ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai oublié aussi la grande commission, commission Jard et Famille, est gérée par l'ensemble pour les changements. Lorsqu'on a fait le gouvernement, il y a eu des postes clés. La vice-primature chargée des affaires étrangères. Donc, ce ministère de souveraineté est géré par le ministère du Plan, ministère d'État du Plan, qui est chargé de prendre contact avec tous les partenaires du développement, qui gère aussi les projets et les programmes de 145 territoires et géré par l'ensemble pour le changement. C'est ce ministère aussi qui, en collaboration avec la CENI et le ministère de l'Intérieur, qui organise les élections et les recensements, couplés avec les recensements. Nous avons ensuite le ministère des Transports, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Nous avons le vice ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Et enfin, nous avons le ministère, le vice-ministère de la Santé. Voilà le partage des responsabilités. Alors, on ne peut pas comprendre que nous sommes engagés ensemble avec nos amis de l'IDPS et d'autres partis politiques. Il y a une déclaration qui sort par le porte-parole. Ce n'est pas la première fois, puisque la première fois, le président Moïse lui-même, il a dit qu'en tout cas, il va faire l'opposition. Il a procédé aux consultations, ce qui n'était pas l'avis de tous les députés. Sur 69 députés qui composent l'ensemble, je crois la majorité, plus de 40 députés, ont dit niet. Ce qui a fait qu'il était en difficulté de se déclarer, faire l'opposition. Mais il a continué par l'attitude de ses ministres et certains cadres, de faire l'opposition à l'interne. Nous avons plusieurs fois dénoncé et ce qui nous a fait très mal. Vous avez compris que l'ensemble est impliqué dans l'organisation des élections à travers. L'ensemble est impliqué. Qui gère les grands projets ou le programme de 145 territoires du gouvernement. C'est le même ensemble qui dit, nous n'allons pas partager le bilan avec les chefs de l'État. Alors, nous avons dit, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ou vous êtes solidaire avec le gouvernement, donc vous avez le ministère clé, ou vous ne voulez pas, il faut faire clairement l'opposition. Donc voilà ce qui a poussé la majorité des députés de l'ensemble
de faire cette déclaration, dire que nous sommes derrière les chefs de l'État, nous soutenons les chefs de l'État pendant les quelques mois qui restent pour aller aux élections et nous allons les soutenir aussi pour les élections de 2023. Vous avez devant vous, et vous l'avez bien dit dans votre introduction, qu'il y a une différence entre l'ensemble pour la République, qui est un parti politique créé par Moïse Katumbi, et vous avez aussi l'ensemble pour le changement, qui est une plateforme. Si la déclaration de Olivier Kamitatou s'est faite, c'était au nom du parti politique, et non au nom de votre plateforme. Pourquoi maintenant, vous, de plateforme, vous êtes mis à faire une déclaration contre un parti politique qui n'a rien à faire avec la plateforme? Oui, c'est une très bonne question. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il puisse clarifier cette déclaration. Il a faite au nom de l'ensemble pour la République ou il a faite pour l'ensemble pour le changement. D'autant plus que le membre du gouvernement de l'ensemble, il n'y a pas que l'ensemble pour la République, mais il y a les membres du gouvernement qui sont de l'ensemble pour le changement, qui avaient refusé carrément d'entrer dans l'ensemble pour la République. Et ça, c'est la première précision que nous avons voulu donner à l'opinion. Et aussi, qu'à cela ne tienne, puisqu'on ne peut pas comprendre que l'ensemble pour la République. Et je peux vous donner un exemple, les affaires étrangères, il a signé comme membre de l'ensemble pour la République. Il est au gouvernement. Monsieur Mwando, qui est le ministre du Plan, il avait signé aussi comme l'ensemble pour la République. Donc, ils sont au gouvernement. Il y a tant d'autres, mais on ne peut pas comprendre qu'ils sont au gouvernement. Ce sont eux qui gèrent. Et le même donne aussi les délais impératifs au chef de l'État d'organiser les élections pas plus d'un jour. Alors, et pourtant, le chef de l'État, ce n'est pas lui qui organise les élections. Nous avons la CENI, qui est une commission électorale indépendante vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis du gouvernement qui est censé organiser les élections. Je vous ai dit aussi qu'il y a mutualisation entre l'opération de recensement avec l'organisation des élections. Donc, or, le recensement est géré par le ministère du Plan. Donc, s'il peut y avoir le retard, mais là, il faut voir le ministre du Plan qui est changé, qui est chargé de faire le recensement. Cela ne peut pas être endossé par le chef de l'État. Aussi, on a parlé de bilan, mais quel bilan on veut endosser seul au chef de l'État? Pendant que le projet, le méga projet que nous avons de 145 territoires, ce projet est élaboré par un ministre d'ensemble, le ministre du Plan, celui qui pilote ce projet. Mais comment on finit? S'il y a un échec, vous allez faire endosser seul la responsabilité au chef de l'État. Nous avons dénoncé ça, c'est de la tricherie, pire tricherie. C'est pourquoi nous avons dit. Si vous n'êtes pas d'accord, et alors, même s'ils vont démissionner, mais ils vont nous allons y arriver, maître. Nous allons partager aussi le bilan d'une année ou une année et demie qu'ils ont géré conjointement avec les autres partis politiques. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui que même s'ils vont quitter, le chef de l'État seul va répondre du bilan de 5 ans. Donc ça, c'est de la tricherie et c'est ce que nous avons dénoncé. D'accord. Maintenant, entendre parler Olivier Kamitatou, c'est un cri qu'il a lancé, un cri d'appel pour que les élections soient tenues selon les prescrits constitutionnels, selon le temps prévu par la CENI, comme vous l'avez cité. Mais quand il demande à ce que cela soit fait sans plus d'un jour, pas même une minute de plus, en quoi cela dérange? Non, mais ça dérange, mais ça, il ne peut pas le faire sur la place. Il n'a pas cité le chef de l'État, tout de même. Ils sont associés dans la gestion. Il n'a pas cité le chef de l'État, monsieur Sipo. Mais écoute, Olivier Kamitatou doit savoir que l'ensemble est représenté au niveau de la CENI.
nous avons le rapporteur adjoint de la CENI, qui est de l'ensemble. Mais en même temps, il réclame qu'on organise les élections dans les délais. En même temps, il demande qu'on puisse revoir encore le bureau de la CENI. Aujourd'hui, si on va s'engager à cette aventure, est-ce que c'est pour organiser les élections dans les délais? Donc, c'est ce que je vous ai dit, qu'ils veulent une chose et son contraire. Et son contraire. Alors, vous avez dit ceci, et si vous pouvez nous en parler un peu plus. Le courant révolutionnaire progressiste constate malheureusement qu'au regard des actes irréguliers posés par les dirigeants du parti politique Ensemble pour la République, celui-ci ne se définit aujourd'hui comme un parti d'opposition au régime du président Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, notre courant demande au parti Ensemble pour la République d'en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir la démission de tous les délégués qui occupent les fonctions dans les institutions, notamment dans le gouvernement central, les gouvernements provinciaux et autres institutions. Avez-vous dit, qu'est-ce que vous demandez au juste à votre plateforme? Mais c'est ça ce que nous avons dit, qu'ils ont manqué au devoir des réserves et des solidarités gouvernementales. Puisque quand vous gérez ensemble avec d'autres partis, vous devez avoir des réserves. S'il y a des critiques à formuler, s'il y a des amendements, s'il y a des corrections, le parti doit donner à ses membres qui sont au gouvernement, voilà, d'intervenir dans tel secteur pour faire avancer. Sinon, faites attention, nous risquons de ne pas aller aux élections à temps. Mais vous ne pouvez pas vous mettre sur la place publique, vous empruntez le même discours que l'opposition. Ce sont les mêmes griefs qui sont formulés par l'opposition, que les mêmes griefs sont formulés en dehors du gouvernement par les amis de l'ensemble pour la République. C'est ça ce que nous disons, que c'est une tricherie. Pour que vous soyez à l'aise dans critiquer les actions du gouvernement, mettez-vous à l'écart du gouvernement. Mais vous ne pouvez pas être à l'intérieur. S'il y a des débats à faire, les débats soit doivent se passer soit au Parlement, soit au sein des conseils des ministres, un point barre, ou vos délégués qui sont au niveau de la CENI. Mais vous ne pouvez pas laisser l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas laisser le gouvernement, le conseil des ministres, ou au sein du bureau de la CENI, ou à la plénière de la CENI, vous allez faire les déclarations en dehors. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de dénoncer, qu'il y a eu manque de réserves ou manque de devoirs de solidarité gouvernementale. Donc ils devraient être solidaires. Et vous allez voir même les attitudes de certains ministres de l'ensemble, issus de l'ensemble. Donc ils ont des attitudes négatives vis-à-vis du chef de l'État et vis-à-vis du gouvernement qui sont en train de gérer les affaires avec les autres. Donc vous voulez dire que leur plan est de faire échouer le chef de l'État? Alors pourquoi vous les gardez? Certainement. Pourquoi le chef de l'État les garde? Certainement. Le fait de dire, vous êtes un leader communiste au gouvernement, le fait de dire, c'est des bilans. C'est pour dire quoi? Vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez aussi travailler contre ce gouvernement. C'est pourquoi nous disons, vous êtes libre de le faire, mais sautez le gouvernement. Faites vos critiques. Laissez ceux qui veulent échouer, comme vous prévoyez déjà les échecs. Laissez-les continuer avec leur gouvernement et sauter, faites l'opposition. C'est calme que cela. Puisque nous avons accepté volontairement d'appuyer les chefs de l'État, nous avons accepté volontairement d'entrer au gouvernement, on ne peut pas combattre aussi et les chefs de l'État et le gouvernement à l'intérieur. Donc, voilà le sens de notre déclaration. D'accord. Alors, si vous dites que les gens de la Mouka, ou plutôt de l'ensemble, sont en train d'envisager l'échec des chefs de l'État et ceux qui sont au pouvoir ne travaillent pas dans le sens de l'aider. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement du bilan des chefs de l'État après
3 ans, et ça, c'est la quatrième année de son exercice du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ses réalisations? C'est trop risqué de vous parler de bilan ou de faire le bilan du chef de l'État à sa place. Mais je peux vous parler en termes de réalisation. Vous savez, moi, je suis député national, je suis membre de l'ECOFIN. Ne fût-ce que parler de budget. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, à peine on avait le budget de 4 milliards, 3 milliards. On a élaboré le budget ambitieux de 11 milliards, mais à cause des difficultés, des obstacles que le chef de l'État a connus avec d'abord le problème de COVID, ça a touché le monde entier. La plupart de nos recettes, 80% de nos recettes viennent les recettes des exportations et des importations. Donc, toutes les frontières étaient bloquées. On n'a pas pu faire face pour réaliser autant de recettes. Alors, nous n'avons pas réussi cette année, la première année. Deuxième année, nous avons connu le problème avec FCC et Cash. Il y a eu blocage. Vous avez suivi les chefs de l'État qui prenaient les ordonnances qui n'étaient pas exécutées par les ministres sectoriels. Vous avez vu les chefs de l'État convoquer des réunions, convoquer des congrès. Que certains députés de l'FCC boycottaient, bref, il y avait blocage. Le chef de l'État n'a pas pu diriger correctement. Mais lorsqu'il a requalifié la majorité, et vous avez vu, nous avons fait le budget de 11 milliards de dollars. Mais je vous dis, au mois de septembre, nous avons déjà atteint toutes les prévisions en termes des recettes. Nous avons déjà atteint 11 milliards et il nous reste encore 3 mois. Et le projet de budget qui a été présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour l'exercice 2023, nous sommes déjà à 14,5 milliards. Donc ça, c'est déjà un actif. Ça, c'est en termes de réalisation des recettes. Depuis que le Congo est Congo, la DGI n'a jamais réalisé 1 milliard de dollars. Donc, dans moins de 6 mois, la DGI a atteint la performance, a dépassé les prévisions annuelles. Donc, c'est pour vous dire, il y a quand même une bonne gestion quelque part. Alors, du côté des infrastructures, aujourd'hui, vous pouvez quitter Kinshasa par route, vous arrivez jusqu'au Kasaï le même jour. Le même jour, les routes sont asphaltées. Au niveau de Kinshasa, il y a des travaux, des grands avenirs, des grands travaux. Il y a dans des différentes communes, Ngiringiri, Bandal, Kitambo, tout ça, il y a les chantiers à Kinshasa, tout comme à l'intérieur aussi. Vous avez le vaste projet de 145 territoires où on va construire des maisons de secteur, des écoles, des centres de santé, des routes de dessert agricole. Dans tous les territoires, on va désenclaver tous les territoires pour quitter avec les consommations les produits à un bilan à présent. Donc, je ne vois pas un candidat qui va l'égaler, qui va le battre. En tout cas, je ne le vois pas, objectivement. En tout cas. Ça, je le dis et je le confirme. OK, mais alors, les opposants continuent à dire que si le bilan est prometteur, vous avez parlé de l'augmentation de recettes des budgets, mais cette augmentation ne suit pas le social. La population est dans les tourments, socialement parlant, la souffrance est vraiment très aiguë. Mais il n'y a qu'un seul groupe de gens qui se réjouissent de cette augmentation des recettes, c'est-à-dire le député que vous êtes et les autres dirigeants du gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Non, mais ce n'est pas dans un jour que le social va s'améliorer.
Mais pour les députés, ça s'est Vérifier, amélioré. vous pouvez checker même sur Internet, au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. D'abord, il y a la gratuité de l'enseignement. Même au fin fond du village où les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans ne pouvaient pas aller à l'école faute de moyens, aujourd'hui ces enfants-là étudient gratuitement. Dans quelles conditions, maître? Dans quelles conditions? Oui, c'est ça ce que je vous dis. C'est le social aussi, non? L'enseignement, c'est le social. Quand les enfants étudient gratuitement, la C'est ça. gratuité de l'enseignement, c'est du social. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a eu l'augmentation, je peux dire, de plus de 300%. Non, Je non, non, me dis, 45%. 45%. non, non, vérifiez J'ai vérifié l'augmentation. 45%, mais 300% à la présidence, maître. Non, 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 non. Je vous dis, vérifiez au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Vous allez voir les salaires et le prime des enseignants, OK. comment ça a augmenté. Et OK. prochainement, je vais venir avec les chiffres à l'appui, vous allez vous rendre compte. Et dans l'administration publique, au niveau de la fonction publique, c'est la même chose. Mais vous savez que le papa retraité et le veuve, il touchait à peine même 3 000 francs, 4 000 francs. Aujourd'hui, avec les réformes entreprises par le ministre de la fonction publique, on a augmenté, on a amélioré, ne fût-ce que les indemnités là de veuvage, les rentes, et on a augmenté et les primes aussi, les salaires, ça a été augmenté et nous allons le faire davantage dans le budget que nous allons élaborer, adopter de 2023 dans moins d'une semaine. Donc, nous allons encore améliorer davantage. Mais vous ignorez qu'il y a eu crise mondiale. COVID, le problème avec le carburant, c'est un problème mondial qui vient de la guerre Ukraine-Russie. Ce n'est pas un problème particulier qui touche le Congo, mais c'est le monde entier. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement. Vous allez vous rendre compte que d'ici là, le social va s'améliorer d'une manière prononcée. OK, maître, nous tendons vers la fin de l'émission, mais laissez-moi poser cette question. Dans le social, les députés sont les enfants chéris de ce régime. Émoluments et avantages excessifs, dits abusivement invisibles. Que dire de leurs électeurs qui sont en train de mener une vie de la traversée du désert? Rien pour le Mais lendemain, ils ne sont pas sûrs d'avoir un projet pour leurs enfants ou bien pour leur avenir, mais eux disent, le demain appartient à Dieu et aux députés. Dites-nous sincèrement, maître Simon Moulamba, combien... ça c'est de la pire intoxication. Oui. Vous avez suivi, il y a même une action disciplinaire qui a été amorcée à l'égard de nos collègues députés qui ont fait ce genre de déclarations. Les députés n'ont pas, en termes de salaire, c'est ce qui est connu, ils n'ont pas plus de 7 000 dollars, c'est ce que nous recevons. Mais avec ça, vous savez que nous, les députés, nous faisons plus que même le gouvernement. Parce que le gouvernement ne peut pas aller partout. Nous allons au village, partout. Nous construisons des écoles, ce qui n'est pas dans nos attributions. Nous construisons des écoles, des centres de santé, des ponts, des routes, avec cette rémunération. C'est pour vous dire que Mais vous n'êtes pas appelé à le nous faire. bouffons Pourquoi pas vous le seuls, faites? Vous mais n'êtes pas avec appelé à le notre faire. population. Au Vous moins, n'êtes pas appelé à le faire. nous sommes proches à la population. Les autres avantages dont on parle, les avantages, c'est comment? C'est partout, dans toutes les institutions, dans les entreprises. Bon, il y a les frais de fonctionnement, il y a les heures supplémentaires. Quand nous avons presté jusque tard, il y a quand même certaines primes qu'on paye partout. Mais pas jusqu'à Partout. Ce 21 000 serait vraiment dollars par partout. mois, maître. Il y 21 000 a dollars, là où pas il encore. y en a qui touchent. Il y a les commissions. Moi, je suis dans une commission économico-financière. Il y a quand même des primes, puisque là, nous faisons des travaux intensifs. Donc, c'est ça, c'est que l'opposition a récupéré pour nous opposer avec la population. D'ailleurs, la population
veut qu'on puisse nous augmenter davantage, puisque chaque jour, c'est les députés qui enterrent les gens. Chaque jour, c'est les députés qui payent les garanties locatives, c'est les députés qui payent les minervois. Ce n'est pas ce que Comme le ce député député, doit faire, d'abord la ministre. population. La population Donner les salaires veut à la qu'on population, ils vont augmente payer davantage. eux-mêmes. La population veut qu'on augmente davantage. Au moins, l'argent des députés, c'est palpable. Il est difficile d'aller bouffer l'argent du ministre, mais l'argent des députés, lors des vacances parlementaires, nous descendons, nous sommes avec la population, on partage les paix que nous avons. Chaque jour, à la base, il y a tel qui est malade, tel qui est Ce décédé, il n'est faut pas acheter le votre cercueil. Il attribution, faut... maître. Pourquoi ne Donc, pas vous battre? Excusez-moi, maître, soyez un peu sincère. Pourquoi ne pas vous battre que chaque citoyen congolais puisse être payé normalement au lieu que vous prenez en charge ces Mais familles-là c'est ce qui que se nous prennent sommes en eux-mêmes en train de charge? Ils faire. sont responsables quand même. C'est ce que nous sommes en train de faire par la mobilisation des recettes. Et Donc, alors, nous sommes ça en va train de dans mobiliser. les poches des gouvernants. 21 000 dollars par mois, c'est Non, excessivement non, trop. non. La mobilisation, même si vous prenez 21 000 dollars, tel que vous le dites là, fois 500, mais ce que vous devez C'est savoir, beaucoup. C'est beaucoup. qu'un député ne fait pas une carrière. Il ne fait pas une carrière. Après 5 ans, il termine son mandat, il part. Donc, même si vous allez Il ne veut pas se faire multiplier riche. Il va servir le pays tous pour les se faire riche. exécutifs, nous avons Il ne déjà va pas fait, préparer sa pension. nous avons déjà fait, vous pouvez multiplier, vous pouvez prendre autant, mais quand vous allez calculer, c'est insignifiant pour Ah donner bon? aux fonctionnaires et aux enseignants. Non, Donc, maître, bref, nous maître, soyons sommes en train sincères. de travailler pour l'amélioration des conditions de la population. Mais ce qu'on est en train de vous dire, 21 000 dollars, c'est la pire intoxication. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, Donc, dites-nous le la salaire vérité. des députés est connu. Dites-nous la... Non, non, dites-nous la 7 000 vérité. dollars. À la fin Dans du 7 000 mois... dollars, dans 7 000 dollars, nous payons, dans 7 000 dollars, nous payons les cotisations des partis, nous payons les impôts, Nous nous parlons des payons les crédits dans invisibles. des banques, nous payons. Maître, nous parlons Ah. des invisibles. Des invisibles. Non, mais c'est ça, c'est que je vous dis que. Les invisibles dont on parle, ce sont des primes et ce n'est pas Excessive. permanente, ce sont des primes. Plus vous avez C'est une presté, somme vous avez des excessive. heures supplémentaires, plus vous avez le véhicule, il y a les indemnités kilométriques. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est payé par les frais de fonctionnement et les frais de fonctionnement ne sont pas payés régulièrement. C'est peut-être après 2 mois, 3 mois. Qu'on paye les frais de fonctionnement, qu'on peut nous donner les primes acquises. Oh. Donc, Nous sommes presque à la fin, maître. Nous sommes presque à la fin, mais battez-vous pour la population, mais pas pour le salaire des députés, s'il vous plaît. d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.